Alors c'est bon, donc dans cette partie, nous allons commencer les listes simplement chez nous. Donc j'ai essayé de mettre en place une nouvelle démonstration pour déjà comprendre le rôle des listes simplement chez nous. Alors pour le plan de cours en général, jusqu'à maintenant on sait quel est le rôle des structures de données. Et nous avons utilisé les structures avec des enregistrements, par exemple la gestion des produits, la gestion des comptes. Comment utiliser un tableau d'enregistrement, par exemple un tableau de produits, faire des opérations sur ces tableaux-là, soit ce sont de type pointeur ou bien de type simple. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire la troisième partie qui est les listes simplement enchaînées. Et dans ce cours-là, nous allons commencer par déjà rappeler les principaux objectifs des structures de données. Et jusqu'à maintenant, nous avons traité le cas où les listes simplement enchaînées sont utiles pour structurer le code, pour organiser. D'accord? Donc le rôle des structures de données n'est pas seulement d'organiser le code pour une meilleure maintenance, mais aussi ils peuvent permettre à réaliser autres tâches. Donc parmi ces tâches-là, ils permettent d'optimiser les ressources mémoire, c'est-à-dire la complexité spatiale. Donc nous avons déjà utilisé les tableaux. Donc avec l'usage des tableaux, on risque de perdre de l'espace mémoire. Nous allons donc voir comment les structures de données vont donner lieu à ce qu'on appelle les listes simplement enchaînées et comment à ce moment-là, optimiser l'espace mémoire. Donc nous allons comparer entre les listes simplement enchaînées et l'utilisation des tableaux. Aussi, les structures de données permettent de faire autre chose. Par exemple, minimiser le temps d'exécution. Il s'agit de la complexité temporelle. À ce moment-là, on va voir des exemples aussi, toujours peut-être en utilisant les listes simplement enchaînées. On va voir comment je peux gagner du temps d'exécution si j'utilise une liste simplement enchaînée à la place, par exemple, des tableaux. Aussi, je peux résoudre des problèmes techniques en utilisant les listes simplement enchaînées. Par exemple, il y a des problèmes qui sont difficiles à résoudre en se limitant à l'usage des données ou bien des structures classiques. Donc, il faut passer obligatoirement par des structures particulières pour pouvoir résoudre ce type de problèmes. Et aussi les structures de données permettent de faire la mise en place de ce qu'on appelle les graphes. Donc à ce moment-là, je peux définir un graphe pour par exemple rechercher le plus court chemin au sein de ce graphe. Donc juste un petit rappel concernant la structuration de code par le biais des structures de données. Donc je peux définir mon modèle, d'accord, de données. Je passe à la traduction de ce modèle-là en créant des structures. J'accompagne ces structures-là par les fonctions nécessaires pour la manipulation de ces enregistrements issus de ces structures-là. Par exemple, créer un produit, ajouter un produit, afficher la liste des produits, créer une vente et ainsi de suite. Donc j'ai le modèle, je peux créer ou bien mettre en place les structures nécessaires pour répondre à un objectif. Donc, j'utilise une structure de données dans ce sens-là pour organiser le code, pour le structurer, pour le rendre facile à maintenir. D'accord? Mais maintenant, nous allons voir les listes simplement enchaînées pour montrer que les structures de données, ils permettent aussi de faire de l'optimisation, soit en termes d'espace, soit en termes de temps d'exécution. Alors, qu'est-ce que nous allons voir avec les listes simplement enchaînées? Nous allons voir leur intérêt, c'est-à-dire comment peut-on optimiser les ressources mémoire. On va les comparer avec les tableaux. Pour ce faire, on doit modéliser, définir, utiliser une liste chaînée, comment la faire, les constituants d'une liste chaînée et leur rôle, manipulation des adresses des éléments d'une liste chaînée. Donc, durant cette première démonstration, on va essayer de faire ces opérations-là. Et par la suite, nous allons essayer de voir le reste du plan. Alors, pour montrer que les listes chaînées permettent de faire de l'optimisation des ressources mémoire, nous allons
Nous allons utiliser, d'accord, ou bien définir un problème. On va essayer de le résoudre avec deux techniques différentes. Donc, résoudre le problème en se limitant à utiliser les tableaux et résoudre le même problème en utilisant les listes chaînées. Pourquoi? Pour montrer comment je vais optimiser les ressources mémoire. Donc, le problème, c'est quoi exactement? Le problème consiste à gérer la réservation des lits aux invités. Donc, j'ai un ensemble de lits. Je vais les réserver, je vais les associer à un ensemble d'invités. C'est-à-dire, supposons que j'ai un problème naturel, d'accord? Plus que code, d'accord? Donc, vous allez penser à le résoudre de manière mécanique, si vous voulez. C'est un cas réel qui peut se poser, mais on va essayer d'adopter la même réflexion en donnant une implémentation. Donc, le problème consiste à gérer la réservation des lits aux invités. Donc, un invité est défini par un numéro, un nom, un prénom et son âge. Le cas 1, il y a suffisamment de lits consécutifs libres. Supposons que on va voir tout à l'heure, donc exactement l'exemple. Donc, on peut résoudre le problème avec les tableaux. Et on va montrer qu'on peut utiliser les tableaux pour résoudre ce problème. Et aussi, on peut utiliser les chaînées pour résoudre ce problème. Par contre, dans le deuxième cas, il n'y a pas suffisamment de lits consécutifs qui sont libres. À ce moment-là, c'est impossible de résoudre le problème par le biais du tableau. Je dois obligatoirement passer par le biais des lits simplement chaînés pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, c'est un problème déjà, c'est un problème d'optimisation. D'accord? Donc, déjà, là, il y a limite des tableaux. On va les voir. Donc, pour chaque cas, on va présenter deux versions de code. Version 1 qui gère uniquement les numéros des invités. Et la deuxième version, parce que pour moi, un tableau d'entier, c'est pareil qu'un tableau d'invités. Une liste chaînée d'entiers, c'est pareil qu'une liste chaînée d'invités. Donc c'est le même traitement. Si je maîtrise la première, je dois obligatoirement maîtriser la deuxième. Alors, ici, on a cinq invités qui ont besoin des lits. Donc je dois associer à chaque invité un lit. D'accord? Sachant que tout ce qui est en rouge, d'accord, tout ce qui est en rouge, c'est occupé. Tout ce qui est en bleu, c'est libre. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, ce que vous constatez, c'est que j'ai cinq lits libres et consécutifs. D'accord? Donc je peux donc, face à ce problème-là, face à cette situation de mémoire, d'espace, je peux utiliser les tableaux pour résoudre mon problème. D'accord? Donc, comment utiliser les tableaux? Donc, on a les espaces libres. Donc, je vais affecter les invités à l'adresse 7, 8, 9, 10, 11. Chaque lit se trouve auprès de l'autre. Donc, déjà, je peux faire l'opération. Donc, nous, en informatique, il faut mémoriser une seule adresse, la première adresse des tableaux. Donc, il faut mémoriser l'adresse 7. Donc, si je me rappelle là où se trouve le premier invité, je peux consulter les restes des invités en ajoutant un indice plus 1. D'accord? Donc ça, c'est simple à faire. Alors, maintenant, ça, c'est physique. Vous avez une salle qui contient des lits. Vous avez trouvé cinq lits consécutifs et vous avez affecté les invités aux différents lits. Donc ça, je peux la résoudre de cette manière, résoudre ce problème de cette manière en utilisant une implémentation. C'est-à-dire, la première chose dans le main, parce que c'est le principal, déjà avec cette déclaration, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que j'ai assez d'espace libre. J'ai 15 cases libres qui sont consécutives. Parce que suite à cette déclaration, qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander 5 cases consécutives. D'accord? Puisque j'ai assez d'espace libre, cette instruction va se terminer avec succès. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que j'ai l'espace suffisant libre pour chaque case qui se suit. Donc, cette implémentation, je peux initialiser le nombre de variables, je peux déclarer un tableau pour réserver les cases, je peux saisir les données, d'accord? Je peux afficher les données et je peux avoir ce résultat. Il n'y a pas de problème avec les tableaux jusqu'à maintenant. Le problème maintenant, si j'augmente la taille, au lieu de n égale à 5, je vais mettre n égale à 8.
Est-ce que je vais avoir problème suite à cette déclaration? Oui, je vais avoir problème parce qu'il n'y a pas assez d'espace consécutif. Donc déjà ça, c'est une limite d'étable. Mais la question qui se pose, est-ce que je n'ai pas assez d'espace? Si j'ai encore de l'espace, mais la technique utilisée ne va pas. D'accord? Alors, j'ai dit, on va mettre en place deux versions. La première version qui gère un tableau d'entier. Donc, de la même manière, il y a une autre version qui permet de gérer un tableau d'invités. D'accord? Donc, ça, c'est la même chose. Pour moi, ça, c'est, on l'a déjà fait avec les tableaux, ce n'est pas grave. Mais je peux faire cette affaire-là. Alors, ça va donner lieu. Maintenant, si j'ai en plus de numéros, d'accord? J'ai le nom, j'ai le prénom, j'ai l'âge et ainsi de suite. Donc, je peux faire ce code source-là. Et je peux définir même une structure de données qui définit un invité avec son nombre, son nom, son prénom et son âge. D'accord? Et je peux utiliser cette structure de données. D'accord? Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé int par guest et le traitement reste le même. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, j'ai deux versions de code qui marchent. Et voilà le résultat de cette deuxième version. Alors maintenant, supposons que j'ai plus d'espace consécutif libre pour cinq invités. Alors la déclaration de int guest n, ça ne marche pas. Pourquoi? Ça va retourner impossible d'allouer de l'espace mémoire. Donc déjà, il n'y a pas, est-ce qu'il y a optimisation de l'espace mémoire? Non, il n'y a pas d'optimisation de l'espace mémoire. Parce que ça se voit d'après le schéma que j'ai 5 cases libres, j'ai cette case qui est libre, cette case, et ainsi de suite. J'ai plus que 5. Mais le problème, ces cases libres ne sont pas contiguës. D'accord? Donc la question qui se pose, c'est comment utiliser l'espace. Donc le tableau, je ne peux pas. Donc la question qui se pose, quel est l'autre moyen qui va permettre d'utiliser l'espace? Donc c'est le cas du liste simplement chaîne. D'accord? Donc déjà, on va remplacer l'usage des tableaux par les listes chaînées pour résoudre ce problème d'optimisation. D'accord? Donc avec un minimum d'espace, avec les listes chaînées, je peux assurer quelques traitements. D'accord? Mais avec les tableaux, c'est déjà impossible. Alors comment faire? Alors, bien sûr, je vais faire quoi? Bien sûr, on garde toujours la propriété qu'on ne connaît que le numéro de lit du premier invité. Ça, c'est une propriété déjà utilisée dans les tableaux. Parce que pour manipuler un tableau, il suffit de connaître sa première adresse. D'accord? Donc, la même chose pour les listes chaînées. Pour manipuler les listes chaînées, il faut connaître juste la première adresse. D'accord? Donc, pour moi, la première adresse ici, c'est l'adresse 2. Donc, il trouve 1. Avec les tableaux, maintenant, le problème se pose. Une fois, je souhaite visiter le deuxième, d'accord? Le deuxième invité. Je ne peux pas. Je ne vais pas connaître. Est-ce qu'il se trouve dans cette case, où il se trouve? Avec les tableaux dans cette situation-là, je peux juste ajouter un pas, augmenter l'indice de 1, et je tombe dans l'invité suivant. Par contre, ici, je ne connais pas qu'est-ce que je dois faire exactement. D'accord? Donc, quelle est la technique à utiliser? Autre chose dans les listes simplement chaînées, ce n'est pas la peine de connaître le nombre d'invités qui existent au préalable. D'accord? Les tableaux, tu dois avoir le nombre d'invités exact pour déjà les afficher. D'accord? Pour déjà afficher le contenu, tu dois connaître que tu as 5 invités, 1 égale à 5. D'accord? Pourquoi? Parce que tu vas faire un parcours de 1 égale à 5, de 1. À 5, affiche-moi le contenu. Ou bien de 0 à 4, affiche-moi le contenu. Par contre, ici, une fois utilisé les listes simplement chaînées, on n'a pas besoin de connaître le nombre. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième propriété des listes chaînées qu'on va voir. Alors, maintenant, la philosophie, c'est quoi? C'est que les tableaux, je connais seulement la première adresse. Et à partir de cette adresse, je peux aller vers l'adresse suivante. En utilisant i plus 1. D'accord. Et
Maintenant, la question qui se pose, parce que je n'ai pas le droit d'utiliser les tables. Donc, au lieu d'utiliser cette instruction-là, d'accord, je dois être capable d'utiliser un autre type. Parce que finalement, c'est un type. Je dois définir un type de données. Donc, un nouveau type et une variable. D'accord? Donc, l'objectif maintenant, c'est de faire quoi? C'est de définir notre nouveau type. Alors, comment le définir? Pour définir un nouveau type, il faut connaître ces éléments. Donc, quels sont les éléments dans mon nouveau type? Déjà, il doit gérer quoi? Parce que j'ai déjà une information importante. Il s'agit de numéro de chaque invité. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, les informations, ou bien data, qui concernent l'invité lui-même. D'accord? Et une autre information très importante, cette information-là, elle va remplacer l'indice. Parce qu'au lieu d'utiliser l'indice à chaque fois plus 1, parce que l'indice i plus 1 va m'informer sur l'adresse suivante. Maintenant, l'adresse suivante, elle est éloignée. Donc, pour pouvoir la retrouver à partir d'une adresse, tout simplement, il faut ajouter une autre information. D'accord? Comme une étiquette qui sera collée au lit et qui contient le numéro du lit suivant. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de poser la question à l'invité où se trouve ton suivant. Non, tu as une étiquette dans laquelle il y a le numéro de lit de son suivant. Et cette étiquette-là ne peut contenir une seule information, c'est le numéro de lit suivant. Ici, si on parle mémoire, on va parler adresse. Donc, elle doit stocker l'adresse de l'élément suivant. Donc, si je suis ici, moi, je suis le responsable de la salle qui contient les lits. Je connais mon premier invité. Ça, c'est une règle. Donc, je vais aller chercher l'adresse du premier invité. Je trouve qu'il habite à 2, donc je vais aller à 2. Je fais des traitements spécifiques. Je le réveille, je fais autre chose. Mais je dois connaître l'invité suivant, il est où. Je vais tout simplement lire le ticket. Je vais trouver qui est marqué l'adresse 5 ou bien le lit 5. Et je dois sauter les lits qu'il faut. Et je trouve l'adresse 5. Pareil pour l'adresse 5. Donc, je dois aller dans l'adresse 5. Je le sers. Donc, je fais un traitement. Et pour aller vers le suivant, je dois consulter la notice là où il y a l'adresse du suivant. Et ainsi de suite. Maintenant, comment connaître la fin? Ici, parce que je suis serveur, il faut que je m'arrête un temps. D'accord? Il faut une indication qui dit, voilà, c'est bon, c'est le dernier élément. Cet élément-là, il n'a pas personne suivant. Donc, je dois signaler cette information, elle est très importante. Et dans le cas des listes chaînées, cette information-là, si elle n'est pas signalée, vous aurez à avoir beaucoup de bugs pour la raison de ne pas signaler l'adresse de fin. Donc, c'est une information très importante. Jusqu'à maintenant, on va utiliser 0 pour la signaler. C'est-à-dire, je suis serveur, je commence par 2, je le sers, je connais le 5, je vais aller vers le 5, je le sers, je vais aller vers le suivant, c'est le 7, je le sers, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 5, le dernier, ou bien le 11, le dernier, je le sers, d'accord? Et je connais qu'il n'y a pas de suivant, donc j'arrête. Donc, c'est un problème mécanique. Vous pouvez réfléchir de cette manière-là pour gérer une salle qui contient des invités. Et ce n'est pas la peine de poser la question aux invités. Vous avez des tickets qui contiennent l'adresse ou bien le numéro de suivant. Donc, si vous êtes capable d'imaginer déjà cette manière-là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste modéliser le problème, l'implémenter. D'accord? Donc, par la suite, on va faire des opérations. Alors, maintenant, la question qui se pose. Jusqu'à maintenant, il faut quels sont... Je reviens toujours vers ça parce que ça, c'est très important. Je dois définir un nouveau type. Et quand est-ce que tu peux définir un nouveau type? Par le biais de quoi? Par le biais des structures de données. Donc, les structures de données qui te permettent de définir un nouveau type. Autrement, tu ne peux pas. Donc, comment utiliser les structures de données pour créer un nouveau type? Et ce nouveau type, quelles sont les informations qu'il contient? Alors, je reviens ici.
Donc on constate que tous les éléments, d'accord, tous les éléments ici ont la même forme. Pourquoi ils ont la même forme? Parce qu'ils contiennent les mêmes informations. Chaque élément, il contient le numéro et il contient une adresse vers le suivant et il a une adresse. Cette adresse-là, elle est retrouvée par la déclaration. Une fois faire cette déclaration-là, c'est bon, tu as cette adresse. D'accord? Mais à l'intérieur de VAR, il y a aussi l'information 1 et 5 pour cet élément-là. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, maintenant, ici, j'ai les éléments ayant la même forme, ils ont la même information, ils ont la même logique. Donc, j'ai un modèle. Je dois définir un modèle qui va donner lieu à ces éléments-là. Ce modèle-là, c'est ma structure de données. Elle contient quoi? Elle contient le numéro qui représente le data. D'accord? La partie donnée. Et cette partie donnée-là, je peux par la suite l'élargir. Je peux mettre ce que je veux. Soit un type primitif, soit un type complexe qui est un client, qui est un invité, qui est ce que vous voulez. Invente ce que vous voulez. Mais la deuxième information qui est très importante, c'est l'adresse vers le suivant. Et cette adresse vers le suivant, l'adresse 7, c'est pareil que celui-là. Donc cette deuxième information, elle doit avoir le même type que ma structure. D'accord? Finalement, je dois avoir cette information-là. C'est-à-dire, j'ai les informations, je dois modéliser le problème, je vais nommer cette structure bête. D'accord? Pour lui, chaque bête contient le numéro et un suivant qui est un lit. D'accord? Donc, cette modélisation, j'ai déjà donné dans l'atelier des exercices, si vous l'avez fait pas à pas. Donc, la dernière chose, c'est ça. Donc, c'est quoi? Donc, pour moi, vous êtes capable. Une fois modélisé le problème, vous êtes capable déjà de définir la structure. D'accord? Donc, voilà, la structure issue de ces deux modèles, parce que c'est la même chose, c'est celle-là. Donc, par la suite, on va utiliser ça. Et montrer comment utiliser les listes chaînées pour ajouter des invités. Alors, donc, voilà ça, ce qu'on va faire, les objectifs. Donc, on va définir notre type, déjà, suite à ce modèle-là. Et voilà ce qui est demandé à savoir dans un premier temps. Il faut savoir déclarer 5 variables de type bête. Ça, c'est simple. Il faut savoir préciser les valeurs des champs de chaque bête. Il a deux informations. Il a ça. Donc, tu as déclaré une variable, il faut initialiser toutes ces informations. D'accord? Ici, il s'agit d'une information adresse. Si tu ne connais pas encore l'information, il faut obligatoirement l'initialiser avec nul. Ce sont des pratiques à suivre pour réussir votre programme. D'accord? La troisième chose, proposer un schéma qui montre les éléments créés et montrer les principales différences avec les tableaux. D'accord? En se basant sur la boucle classique pour afficher les tableaux, je vais utiliser une boucle pour afficher les listes chaînées. C'est la même chose. D'accord? Vous allez constater que si vous avez compris le problème et vous avez compris la raison d'avoir cette forme de structure, le reste c'est simple. Il faut déclarer, utiliser, initialiser, afficher. C'est simple. Alors on va essayer d'aller vers la partie démonstration. Donc, dans la partie démonstration, j'ai déjà défini, parce que j'ai dit que je peux utiliser une liste chaînée d'entiers. Ça, c'est la plus simple. Si on maîtrise une liste chaînée d'entiers, soit disons des numéros d'invités, je peux maîtriser une liste chaînée de quoi ? Il est chaîné d'invités carrément. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose qu'on va faire. Donc, un, tout simplement, on va liste chaîner d'entiers qui cherchent juste les numéros 2 de chaque invité. Et par la suite, on va mettre une liste chaînée d'invités. D'accord? C'est-à-dire de guest, c'est notre type. D'accord? Donc, la première chose, je peux effacer ça si vous voulez, parce que jusqu'à maintenant, ou bien la mettre en commentaire. Parce que jusqu'à maintenant, je vais commencer avec une liste chaînée d'entiers.
Alors, qu'est-ce qu'il faut? La première chose, il faut définir quoi? Il faut définir la structure de quoi? Voilà, c'est ça ma structure de données. Et ce sont le travail demandé, c'est ça. On va essayer de résoudre ce problème. Donc déjà, on connaît comment définir une structure de données. On va la nommer, on a dit bête. Et elle contient quoi? Un entier pour représenter le numéro, parce que pour simplifier dans un premier temps. Et ce qui est très important, c'est ça, l'adresse vers le suivant, qui est un. D'accord? J'ai défini la structure de données, c'est bon maintenant. Déclarer cinq variables. Ce qui est demandé, déclarer cinq variables parce que j'ai cinq invités. Alors, vous connaissez déjà qu'est-ce que ça doit donner cette instruction. D'accord? Maintenant, j'ai une case, j'ai un élément ayant cette forme. D'accord? Avec cette déclaration, j'ai un élément, mais qui a seulement l'adresse. Il n'a pas encore ni l'adresse du suivant. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter, je dois préciser. Hein, et préciser encore l'adresse de son suivant parce que ce sont deux champs qui sont à l'intérieur de cet élément. D'accord? Alors là, je vais mettre égal à 1. D'accord? C'est-à-dire, si j'ai une seule case libre, je suis sûr qu'il y a succès de réservation de l'espace. Au contraire de ça, qui va demander cinq cases consécutives, d'accord? Ayant une taille, d'accord? Par contre, ça, elles sont dans l'espace dispersé, c'est pas grave. Donc, je vais créer cinq variables. Ou bien, je vais mettre ça, tout simplement. C'est une utilisation très classique, très simple, dans un premier temps. Parce que vous connaissez ce type de traitement. Donc, j'ai déclaré 5 clients. La suite pour chaque lit, il a deux informations. La première information qui est l'entier et la deuxième information qui est quoi? L'adresse. Non, ici je vais mettre de préférence pour avoir un nom significatif, de préférence de dire next. Son suivant, tout simplement. D'accord? Alors ici je vais mettre next. Égal à quoi? Égal à une adresse. Adresse de quoi? D'un lit. Donc c'est exactement ici. D'accord? Maintenant pour le deuxième, je vais faire number égal à 2 vers l'adresse 3. Bad de très bien. Voilà. Pour le 3, je vais faire la même chose. Le 3, son suivant, c'est le 4. Parce que tu es en train d'affecter les gens à leur place, tu as déjà fait l'affectation. Avec cette première ligne, tu as affecté les gens. Mais tu n'as pas encore informé que le premier son nom, d'accord? Tu as dit réserver les places.
qui sont dispersées. Mais par la suite, tu vas ajouter les informations. D'accord? Le numéro, l'adresse, le numéro, l'adresse, le numéro, l'adresse, du suivant et ainsi de suite. Alors ici, je dois mettre un 4 égal à 4 et 4 égal à 5. Quoi? Bet étoile next? Non. 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 C'est une adresse. D'accord? Next, c'est une adresse. Next, c'est une adresse. Donc, je peux mettre bet.next égale à une adresse. Parce que comment tu vas utiliser le next? Supposons que tu es là. Je reviens toujours au type primitif. Comment tu vas utiliser ça? A égale à une adresse de B. D'accord? Tu vois, c'est la même logique. D'accord? Donc, il ne faut pas mettre ici étoile, je ne sais pas. Alors, ça, bet 3, bet 4, bet 5, égale à 5. Et j'ai dit, il ne faut pas oublier surtout la fin. Si vous allez oublier, on va montrer tout à l'heure, si on oublie la fin, qu'est-ce que ça va arriver? Nul. C'est une adresse. Bat 5. Très bien. Sinon, maintenant j'ai informé le deuxième lit qu'il n'a pas de suivant. Donc comme si j'ai coupé la communication, c'est bon, je vais dire pendant le... si je souhaite servir les différents invités, je vais servir juste les deux premiers, je vais considérer comme quoi il ne reste plus rien. Donc c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Donc ici c'est le dernier qui n'a rien. Si je vais exécuter, ça doit marcher. D'accord? Oui, très bien. Parce que cet informat, oui. Parce que maintenant tu vas utiliser une information qu'il a rencontrée la première fois, mais elle n'est pas définie ailleurs. Donc je peux utiliser ici le même nom. D'accord? Voilà, pour éviter ce problème. C'est une erreur, mais c'est bien. Ça va permettre de... C'est pas la peine de mettre strax. Start? Ah oui. Oui. Ici, quand j'ai dit c'est pas la peine, c'est pas la peine pour certains compilateurs. D'accord? Ça marche. Pour certains, par exemple, si vous utilisez le compilateur d'FC++, je pense, il va l'accepter. Mais ici, CodeBlocks, une autre version de compilateur, donc il doit mettre ici struct. Voilà. Donc ce sont des erreurs, mais c'est bien d'avoir ces erreurs. Donc le programme s'exécute et retourne 0, c'est-à-dire il n'y a pas de problème. Tout se passe d'une bonne manière. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu à quelles questions? J'ai répondu à ces questions-là. Comment utiliser le nouveau? C'est-à-dire j'ai déclaré la structure. Je l'ai utilisé en utilisant 5 variables. J'ai initialisé les valeurs, proposé un schéma, d'accord? Donc ça c'est le code source, c'est presque pareil. Le schéma c'est ça normalement que je vais avoir. En général, vous allez trouver dans la documentation, soit sur internet, soit sur n'importe quel livre, vous allez trouver qu'ils font ça. Mais en général, pour moi cette flèche, c'est juste une représentation graphique. Le plus important, c'est cette information. C'est l'adresse vers le suivant. D'accord? Mais on peut garder cette flèche-là pour dire que les enregistrements sont liés. D'accord? Un tableau, il a un représentant. Un tableau, il a un représentant. T, par exemple. La liste chaînée doit avoir un représentant. Ici, on va dire L. Le représentant, c'est L. Et L, c'est quoi? C'est une adresse. T, c'est l'adresse de la première case. L, c'est l'adresse du premier élément. D'accord? Il vaut mieux dire élément dans le jargon de l'échelle. Donc, pour dire L, je vais déclarer une adresse. Je peux mettre bed et mettre L. Et mettre L égale
l'adresse de Badr. Je peux faire ça. Maintenant, ma liste, elle a un représentant. Il s'appelle la tête de la liste, ou bien le représentant de la liste. Alors, maintenant, ça, c'est la représentation graphique. Si vous avez constaté à la différence des tableaux, donc les adresses ici sont dispersées, discontinues. Par contre, ici, les adresses sont contiguës. Ici, ce n'est qu'une simple représentation graphique. Je peux afficher ici l'adresse de chaque tableau, d'accord, en utilisant cette manière, si tu souhaites afficher les adresses. Par exemple, j'affiche l'adresse du premier élément et deuxième élément. Je vais voir avec qu'est-ce que ça va donner. Ce n'est pas obligatoire qu'ils sont dispersés. Ça dépend de la mémoire, l'exécution, qu'est-ce qu'on va avoir. D'accord? Oui? Oui, j'ai voulu mettre pourcentage D pour faire la conversion vers une valeur numérique pour savoir le 4 octets et les... D'accord? Mais on peut mettre pourcentage ici, pourcentage P pour afficher les deux adresses. Alors, BAD 1 et virgule BAD 2. D'accord? Jusqu'à maintenant, mon programme affiche une seule chose, affiche les deux premières adresses, d'accord, qui logiquement doivent être, vous voyez déjà, ils sont dispersés. Déjà, le premier, il est venu après le deuxième, d'accord, donc vous voyez que c'est aléatoire, d'accord, donc c'est dispersé. Sinon, si vous allez... créer un tableau, pareil, vous allez créer un tableau et vous allez afficher toutes les cases mémoire, toutes les adresses, vous allez constater que les adresses sont contiguës. D'accord? Print. Print, voilà, D, je vais mettre T plus I ou bien l'adresse de T, tout simplement. Et je termine par, je reviens ici à la ligne. D'accord? Voilà, si j'exécute ça, je vais avoir les adresses. Donc vous... Vous voyez rien. Donc, je vais mettre un petit espace. Donc, ici, je vais avoir des adresses. Vous voyez, ça, elles sont contiguës 4, 8, 12, 16, 20. Par contre, ici, non, ce n'est pas contigu si vous allez afficher les autres adresses. Donc, déjà ça, avec ce problème, avec cette manière de voir les choses, je peux résoudre mon problème. Alors, dans la suite, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Proposer un schéma en se basant sur la boucle classique pour afficher un tableau. On va afficher le contenu de ma liste chaîne. C'est-à-dire afficher tous les invités. Les invités, j'avais, si je vais mettre ça pour initialiser le tableau, je suppose que je vais utiliser une boucle pour initialiser mon tableau. Égal à et plus 1. Parce que je vais commencer par 1. D'accord? Donc, pour afficher, je peux tout simplement utiliser ça pour afficher le contenu de mon tableau. Vous êtes d'accord? Donc, si je vais utiliser cette boucle, je vais afficher le contenu du tableau entier. Je vais essayer d'utiliser ce qui est demandé dans le travail, c'est utiliser la même forme de la boucle pour afficher le contenu de la liste. Qu'est-ce que ça veut dire cette information-là? I égale à 0. L'indice, c'est la première adresse. D'accord? Donc maintenant, comment je vais changer ça? Donc au lieu des indices, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser des adresses. Des adresses de quoi? De type bête. Donc je vais mettre bête. Une adresse qui s'appelle P. D'accord? Cette for I égale à 0, donc for P égale... D'accord? Égal à bête. Oui. Ou bien elle. Oui. Elle déjà. Ou bien.
Parce que j'ai déjà un représentant dans l'acte. I égal, I inférieur à 5. Est-ce que le I inférieur à 5 est utile maintenant? Il n'est pas utile. D'accord? C'est-à-dire, si je veux, si je souhaite faire une condition d'arrêt ici, qu'est-ce que je dois faire? P différent de? D'accord, de une condition d'arrêt. Et plus plus, qu'est-ce que je dois faire? Et égal à E plus 1, c'est aller vers la case suivante. L'objectif ici, c'est d'aller vers l'adresse suivante. Donc, P égale à P flèche, next. Vous voyez, donc j'ai utilisé la même forme pour afficher le contenu de ma liste. Et ici, à la place de ça, qu'est-ce que je vais mettre? P flèche, number. D'accord? Et si je vais ajouter un petit print, donc display, linked list. D'accord, multi slash n. Oui? Oui, bien sûr, il faut discuter. Ici, je reviens, c'est bon. Je manque, j'affiche deux fois. For p. Point virgule ici. Et print. Parce que lui, il a dit exécuter le programme. Moi, j'ai voulu exécuter, du coup, ça ne marche pas. Il manquait encore de